lueur d'amour. Que je resterai toujours ton bébé. Viens me donner à manger, j'ai faim. Anani! Est-ce que je devais laisser les affaires du palais juste pour ça? Ah bon? Chérie, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis donc venue te dire que j'ai perdu cet enfant complètement. Il m'a dit de le considérer comme mort. Le prêtre n'est pas d'accord de l'esprit de logique. Et pourquoi ça? Il m'a fait savoir que les enseignements de Maître Souna nous conduisaient à l'enfer si on ne s'en débarrassait pas. Attends, tu dis vrai? Pourquoi vais-je mentir? Je déclare que l'enlèvement de Anani est lieu aujourd'hui. Rihanna ne veut plus de moi. Et où est le problème? Qu'elle aille se faire foutre ailleurs. Je suis là et je vais prendre soin de toi. Peu importe qu'elle te crie ou elle te crache dessus, elle est offensée. Et moi alors? Avez-vous imaginé un seul instant ce que je peux ressentir? Arrête! C'est elle qui est offensée et profondément blessée, madame. Notable Nuke, quittez mon domicile. Père. Est-ce que ça va? Oui, on peut dire ça. Mais ce n'est pas encore toute la forme. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je veux dire, as-tu glissé? Non. Un roi ne glisse pas. Ou alors? Je ne comprends rien. Moi, mon fils, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. À mon avis, c'est un signe. Un roi qui tombe comme ça. Ou alors un sort. Arrête de cogiter. Le roi va bientôt se remettre. Dans ce cas, il faudra bien te reposer, papa. Il te faut ça. Merci, fils. Je vais le faire. Mais à bien t'écouter, tu n'es pas venu seulement parler de moi. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais qu'on en parle? Mais papa, apparemment je vois que tu ne prends pas bien au sérieux ce que je viens de te dire là. Fils, tu sais qu'il y a trop de choses en vue. Et c'est ces choses-là qui me fatiguent l'esprit. C'est de Anani dont je veux parler. Tu devrais aller la voir pour moi. Je t'interdis de prononcer encore ce nom ici, ok? Elle n'existe pas. Elle ne sera jamais ton épouse. Le mythe dans lequel tu es entré, je te conseille de sortir et de voir l'avenir en face. Putain.
c'est Oscar? Oh mon Dieu! Oscar? Oscar, c'est ça? Oui, un problème? Je suis Rihanna. Tu ne te souviens pas de moi? Rihanna, ta chouchou! Ça alors? Rihanna? Oui. T'as changé? Waouh! Tu es très jolie. Merci, toi aussi. Merci. Viens là. Dis-moi, tu es au pays depuis quand? Il y a 3 jours de cela, ma beauté. Rihanna? Oui. Est-ce que je t'ai manqué? Oh, tellement, tellement, tellement. Alors, dis-moi, ça te dirait qu'on prenne un pot là maintenant? Pourquoi pas? Allez, on y va. D'accord. Roi des herbes, merveille de la nature, un antibiotique formidable. Mais combien d'hommes peuvent en être conscients pour la protéger et l'aimer afin qu'elle leur rembourse au centuple? Ouf. Regarde cet arbre. Il est constitué à peu près comme l'homme, l'esprit, l'âme, le corps bien sûr. La nature est phénoménale. Bello, Nachuma, Nankui. Alors les amoureux. C'est vous qui voulez semer l'immoralité dans le royaume. Un petit garçon de rien du tout avec une vieille femme. Majesté. On dirait le monde à l'envers. Madame Gadjou. Sa Majesté. Nous te donnons la parole. Merci, Majesté. Je vous présente ce petit tourtereau à ma gauche. Il s'appelle Samen et c'est mon fils. Et cette boulotte à sa gauche, elle s'appelle Adja. C'est ma camarade intime depuis mon enfance. Par rapport à ce problème, Majesté, Samen que voici ne peut rien dire de bon. Parce que Adja que voilà l'a envoûté. Envoûté? Envoûté? Ah oui. Je vous remercie, Majesté, d'avoir convoqué cette assise. Et je dis merci pour la présence des notables. Nous te remercions aussi. C'est une mauvaise graine qui risque de gâter tout le sac si on ne la passe pas au microscope. Adja. Mon roi. Tu as écouté comme moi ce doigt accusateur. Est-ce vrai ce qu'on raconte? Sa Majesté, ce que cette dame dit est absolument faux. Ce qu'elle raconte n'est pas vrai. Cette affaire devient de plus en plus floue. Dans des circonstances pareilles, on convoque l'oracle. Tout à fait, Majesté.
La séance est suspendue. Je sais pourquoi tu es venu voir le maître Sonneau. Tu veux qu'il te parle des rapports de mathématiques quant à l'évolution de l'âme, n'est-ce pas? Non, je le sais déjà. Mais je vous disais que le maître me parle de la spiritualité et la religion. Et qu'est-ce que tu veux en savoir? Les rapports de compatibilité ou les rapports d'opposition? Tu en sais quelque chose? Bien sûr. Mais partage-le avec moi. Je le veux bien. Mais tu sais très bien comme moi, sur cette terre, rien n'est gratuit. Je veux un salaire. Oui, un salaire. Mon cam. Tu es très jolie. Tu te fais très belle avec des connaissances. Et je veux juste que tu me laisses partager avec toi ces connaissances. Dieu, le corps, l'esprit et l'âme ne marchent-ils pas ensemble? Si. Tu veux faire usage de mon corps et que deviennent les deux autres? Tu vois, tu gaspilles et ridiculises les enseignements de Maître Sonneau. Vraiment, moi qui croyais que tu étais mon frère. Ton frère, tu ne vois pas que je suis amoureux de toi? Marraine, il faut revoir l'éducation de ton fils. Sa Majesté, mais qu'est-ce que le prince a encore fait? On dit que l'enfant est le fils de sa mère. Toi, marraine, tu passes trop de temps avec le prince et vous bavardez beaucoup. Ce qui est le contraire avec son père. Lui et moi, c'est du tic au tac. Mon roi, je ne suis pas venue jusqu'ici pour parler de mon fils. De notre fils? Pardon, notre fils. Et tu es là pourquoi? Mais quelle question, Sa Majesté. C'est un tort de venir jusqu'ici m'enquérir de l'état de ta santé. Non, tu as toutes les raisons, ma reine. Je vais très bien. Mais avec ce que le prince me fait subir, je risque de m'enfoncer. Mais qu'est-ce que le prince a fait qui t'irrite tant? Tu te rends compte? Je cause avec lui et il me manque du respect. Moi, le roi, son père. Sa Majesté, tu devrais comprendre que le prince, ton fils, il est déjà un homme. Et ça ne lui donne pas le droit de se foutre de moi quand je lui parle. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais tout simplement te faire comprendre que, au jour d'aujourd'hui, tu devrais le ramener à la raison en tant que père. Avec tout ce qu'il me fait subir, je ne crois pas pouvoir le ramener à la raison. Tu as une très belle voiture. Merci. Mais je vais bientôt la vendre. Mais pourquoi elle est encore toute neuve? Si on cessait de parler de ma voiture. Et si on parlait plutôt de nous? D'accord, mais avant, portons un toast. Ok. À nos retrouvailles. À nos retrouvailles. D'accord. Parle-moi de toi. Non. Parle-moi plutôt de toi. Rihanna, tu es très séduisante. Tu es toujours aussi séduisante. Et je n'ai jamais cessé de penser à toi. À nous. Ça va? Ramène-moi à la maison, s'il te plaît.
Ai-je dit quelque chose qui t'a offensé? Non, 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 du tout. Je veux juste rentrer. D'accord. Dis-moi, tu es seule maintenant? Oui, depuis un moment déjà. Waouh. Et si on termine nos verres? D'accord, c'est sans souci. Ok. Où est-ce qu'elle peut vraiment être, cette fille? Mais qu'est-ce qui t'a pris au point de t'emporter quand ton père était en train de te parler? C'est tout comme question. Attends, je suis très sérieuse là. Ton père est très fâché contre toi. C'est ce qu'il t'a dit? Qu'il est trop fâché contre moi? Quoi d'autre? C'est tout ce qu'il m'a dit? Ben, c'est qu'il t'a pas tout dit. Il t'a pas dit qu'il m'a empêché de parler de Anani? Non mais, c'est pas la première fois qu'ils te le disent. Il est dans tous ses droits. Moi aussi, je suis dans tous mes droits. Et j'étais dans tous mes droits quand je m'emportais avec lui. Mon prince, écoute et écoute-moi très bien. Il n'y a pas que ton père qui soit contre cette relation. Moi, ta mère, je le suis également. Mon prince, mon prince, Minangui, qu'as-tu de m'importuner, serviteur? Je ne vous importune pas, votre Altesse. Et tu trouves que ce n'est pas m'importuner ce que tu fais là? Votre Altesse, je sais bien ce que ça signifie, l'attitude que vous aborez en ce moment. Raison de plus pour ne pas me déranger. Excusez-moi, Votre Altesse. Votre Altesse, je voulais tout simplement savoir où vous allez. C'est mon devoir de vous accompagner partout où vous allez et de rendre compte au chef et à la reine quand ils ont besoin. Je m'en vais de ce pas enlever Anani de moi-même. Est-ce que ça te va? Votre Altesse, ce n'est pas possible. Quoi? Ça t'étonne? Mon prince, il ne revient pas à vous de le faire. Et ça revient à qui de le faire? Au roi? C'est un nul. Ou à toi? Tu n'es qu'un... D'ailleurs, je m'en vais. Laissez-moi vous accompagner. Votre Altesse, s'il vous plaît, excusez-moi pour l'autre jour. C'est facile de s'excuser. Mais ce n'est pas facile de guérir cette plaie que j'ai dans le cœur pour Anani. S'il vous plaît, laissez-moi aller le faire. Car ce n'est pas digne pour une personne comme vous de faire une chose pareille. Chérie, arrête de te faire des soucis pour Rihanna. Elle a dû aller quelque part. Mais sans mon autorisation... Elle aurait dû m'informer. Ah, ma fille n'est plus une adolescente. Ouais, mais j'ai le cœur qui bat très fort. Mais vas-y la chercher. Tu as raison. Chérie, je ne sais pas pourquoi tu te donnes aussi de la peine pour cette folle de Rihanna. C'est ta fille. Oui, mais c'est une rivale à moi. Incroyable. Je vous l'ai toujours dit, je ne me lasserai jamais que poser un acte d'amour. Quand l'esprit, l'âme et le corps
ne sont pas en harmonie avec le ou la partenaire, ça ne va pas. Maître, vous n'êtes pas marié. Je n'ai jamais vu une femme vous tourner autour. Mais comment est-ce que vous expérimentez cela? La question est magnifique. Très magnifique et même pertinente. Quand vous faites quelque chose avec conviction, avec passion, l'univers vous révèle les contours les plus secrets. J'ai lu les hiéroglyphes de la déesse Isis et surtout les cantiques de Vénus. J'ai suivi la vie de nos parents et de nos amis. Alors là, il ne me restait plus qu'à conclure. Maître, elle est absolue la conclusion. Pas du tout. L'univers seul ra détient l'absolu. Et je crois que l'absolu sera lui-même. Selon toi, tu penses que le roi a raison? Comment tu trouves ce jugement? Quand le roi parle, on ne discute pas. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire ce que je te dis là, non? Ta phrase n'a pas de sens. Tu sais que lui-même a posé la question de savoir si ce ne sont pas eux qui causent l'immoralité dans ce village. C'est vrai. Il me l'a dit. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas contente de la façon dont le roi veut juger ce problème. Est-ce que le jugement est fini? Non. C'est pour cette raison qu'en tant que proche du roi, tu peux lui apporter des amendements sur sa façon de juger. Tu sais que quand le roi parle, personne ne peut le contredire. C'est vrai. Mais selon moi, on ne devrait pas passer par la procédure de l'oracle. Parce que Adja n'est qu'une menteuse. Elle n'est qu'une menteuse.